La quête de billets hors circulation, ces objets de collection autrefois monnaie courante, sont aujourd'hui devenus des véritables trésors pour le passionné. Serge Sozo, éminent économiste, reconnaît ce phénomène. Bon, on les appelle les billets impropres à la consommation. Ce sont des billets, soit qui a, au lieu d'avoir deux numéros, qui n'ont pas de filigrane, ou certains autres reliefs. Ce sont des billets que la Banque centrale peut récupérer. Parce que quand on calcule la masse monétaire, chaque billet a un numéro. En pareille situation, les risques de contrefaçon sont élevés, a-t-il renchéri. Mais quand il y a des personnes non identifiées qui les font, l'horreur devient évidente. Parce qu'on se pose la question, qu'est-ce que ces personnes non identifiées font avec ces biens propres à la consommation? Ça, c'est là la question. Et on les amène où? Mais les institutions financières agréées sont là, qui peuvent faire ces boulots. Mais quand, avec les problèmes de faux monnayage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent frapper la monnaie, c'est ce qu'on dit, contrefait la monnaie en utilisant les mêmes numéros. C'est une crainte, surtout si ce sont des billets à valeur faciale élevée. La régulation stricte et une vigilance accrue s'imposent en vue de préserver l'intégrité du marché. Premièrement, ça revient à la Banque centrale de jouer son rôle convenablement. Nous n'avons pas à dire à la Banque centrale de faire son boulot. C'est ça son rôle, c'est dans les prérogatives de la Banque centrale. De pouvoir sécuriser la monnaie parce que la monnaie représente l'unité nationale. La monnaie représente la souveraineté de la RDC. La monnaie, ce n'est pas n'importe quoi. Il ne faut pas jouer avec, il faudrait que la Banque centrale puisse réellement... Parce que là, c'est écrit, même le contrefacteur est puni de servitude pénale. C'est-à-dire, il faut permettre à ce que les gens puissent contrefaire la monnaie. Ce n'est pas une bonne chose de supposer que dans les prérogatives de la Banque centrale, la Banque centrale doit tout faire pour qu'elle puisse sauvegarder, protéger, sécuriser la monnaie dans les territoires et en dehors du territoire. Signalons par ailleurs que la législation congolaise permet des sanctions sévères aux falsificateurs de billets.